la houlambasse et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon vendredi. Un vendredi qui commence avec une belle lumière, un ciel qui est dégagé à variable, une température extérieure qui est fraîche à 5 degrés, une température de l'eau qui est telle à un petit 13 degrés, une marée qui est en train de finir de descendre, le plein bas est à 8h25, des coefficients de 47. Sur cette fin du descendant, le vent est donc offshore, il est est-nord-est, il est modéré, de Beaufort, le plan d'eau est propre, la houle est assez propre, un peu multiplie quand même. Une houle qui est longue de 12 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, qui est en atténuation. 1m20, 1m50 en déferlement régulier. Série régulière comme on voit là à 1m80. Et il y a quand même des grosses séries à 2m, voire un bon 2m. Donc c'est pas super calé ce matin. On voit quelques bouts qui passent par moment au large comme au bord. Mais c'est pas super calé quoi. Ça ferme quand même beaucoup et ça devrait s'améliorer sur le montant. Quoi qu'il en soit, il n'y a personne à l'eau ce matin. Il y a quelques surfeurs qui checkent et qui passent leur tour, qui attendent des conditions un peu plus favorables. L'évolution pour le reste de la journée, ben justement, est favorable sur un train de houle qui devrait s'amortir assez rapidement et un vent offshore qui va se renforcer. Au nord-est, la boue Arcachon est à la baisse à 3,40 m et 9 secondes. On attend donc à 9h 2 m ou ouest-nord-ouest-nord-ouest, 12 secondes de période vent est-nord-est à de Beaufort à 13h 1,50 m. Ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest, 12 secondes de période, vont de nord-est 2 à 3 Beaufort et à 17h 1m20. Ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest, 11 secondes de période, vont de nord-est 2 à 3 Beaufort. Ben, ça va se caler avec le montant sur le retour des vagues et du vent offshore aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à 11h30 pour le prochain bulletin. A tout à l'heure, merci.